que c'est que cette frénésie là, un dimanche matin? Ton frère vient déjeuner. Bah, Jérémy, il ferait 600 bornes comme ça juste pour nous voir un dimanche. Et si quelque chose n'allait pas? Je vis avec quelqu'un. Eh, fais gaffe, leur dis pas comme ça, ils vont croire que c'est une nana. Là. On pourrait peut-être commencer à penser à nos petits-enfants, tu crois pas? Il s'appelle Marc. Dis donc, ma grosse, t'aurais pas pris du bide? Je te plais plus, c'est ça. Hein, ça va, Guy? C'est Jérémy. Il est pédé. Bon, Rosie, c'est quoi votre problème, là? Jérémy est venu nous dire qu'il était... comme vous. Chauve. Enfin, en tant qu'homme, franchement, quand tu penses à ce qu'il fait, tu trouves pas ça bizarre? Mais franchement, de quoi tu te mêles, toi? C'est mon fils, ça m'en regarde un peu, non? Bah, t'es mon père, non? Est-ce que je te demande si t'encules maman, moi? Des homosexuels. Oui, il est médecin légiste, un truc comme ça. Il a remarqué que le cerveau des homosexuels est beaucoup plus lourd. Bah, qu'il y avait plus d'eau. Nicole, mais tu vas arrêter un jour de dire des conneries. Qu'est-ce qui vous prend, là? Vous avez tous pété un plomb, quoi. Depuis ce week-end où tu es venu nous le dire, il n'y a plus rien qui va. Parents barjots sur frères irresponsables multipliés par coming out raté égale équation familiale impossible à résoudre.